I think everyone is sensei. Everyone more than sensei is friend to each other. Le Gilded. Donc je suis toujours sur le même site que pour la première fois. J'essaierai de penser à le mettre en description de la vidéo YouTube. Donc Argos phase 2. Il va reprendre la plupart des mêmes patterns que la phase 1. Et il va en rajouter quelques-uns de plus. Et le petit tweak, c'est qu'il y a deux boss à affronter. Réparti entre groupe 1 et groupe 2. Le groupe 1 va affronter un petit boss dinosaure. Et le groupe 2 va affronter un mini boss qui ressemble à une espèce d'élémentaire de lune. Voilà, un truc comme ça. On commence par découper déjà le combat en toutes ses phases pour que vous ayez la vision globale du déroulé du fight. Le combat, il est en 5 phases. La première phase, on est 8 contre Argos. Et c'est exactement comme pour la P1. Il peut faire des pizzas, donc la grande pizza uniquement. La mini pizza, il la fera jamais en P2. C'est une mécanique qui est propre à la P1. Donc il peut faire que la grande pizza. Et il peut faire toutes les mêmes attaques avec quelques petites modifications et quelques attaques nouvelles. Ça, c'est la phase 1. On est 8 contre le boss. La phase 2, le groupe 1 qui est toujours solaire. Ça, il n'y a plus de changement de couleur. Il n'y a plus de je te change solaire, lunaire, machin, c'est fini. Là, c'est ferme et définitif en P2. Le groupe 1, il est tout le temps solaire. Et le groupe 2, il est tout le temps lunaire. Il n'y a pas de piège. Donc, en phase 2 de la phase 2, le groupe 1 est téléporté contre un mini-boss qui est sur une plateforme et qui ressemble à un espèce de dinosaure. Donc là, on est à 8 contre Argos, ok? Et puis, après avoir fait une certaine quantité de dégâts, le groupe 1 va se faire téléporter suite à cette espèce de giga-cri au milieu de la pièce, là, dans un boss fight contre un dinosaure. Le groupe 1, il a des battle items spécifiques. Et le groupe 2, il a également des battle items spécifiques. Le groupe 1 doit avoir des grenades de destruction. Et le groupe 2 doit avoir des grenades de déséquilibre, d'impairment, de stagger. Appelez ça comme vous voulez. Pour le groupe 1, c'est destruction avec si possible des classes qui ont des dégâts de destruction. Vous allez comprendre pourquoi. Et pour le groupe 2, des dégâts de déséquilibre. Pareil, vous allez comprendre pourquoi. Donc on est téléporté et on doit affronter un espèce de boss dinosaure qui va apparaître là. Hop, il y a quelques petites spécificités. Principalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ces patterns sont ultra lisibles. Vous allez vous les prendre peut-être une ou deux fois. Et puis après, normalement, si vous êtes un minimum attentif, c'est assez facile à esquiver. C'est-à-dire qu'il va prendre des postures où on voit qu'il charge un coup de tête. Il va prendre des postures où on voit qu'il charge un coup de queue. C'est très facile à lire. Plus tard, on s'en foutra, on tankera avec un DP, avec un support et on va juste le giga all-in. Mais là, en étant à l'e-level, je vous conseille vraiment d'éviter les attaques parce qu'elles font extrêmement mal. Plus mal que le boss qu'affrontera le groupe 2 dans la partie lune. Donc essayez de dodge au maximum. Dans les trucs à retenir, vous voyez, il y a des espèces de lucioles par terre, des lucioles vertes. Ces amas de lucioles, ils vont se balader pendant tout le fight et ils vont faire beaucoup de dégâts. Si possible, il faut essayer de vous déplacer par rapport aux lucioles pour ne pas qu'elles vous pètent dans la gueule. C'est-à-dire que quand vous allez marcher dessus, il y aura une animation et à la suite de cette animation, les lucioles vont exploser. Ça va vous stun et vous faire des dégâts. Donc il faut essayer d'éviter cette explosion pendant le combat. Vous voyez là, il y a des espèces d'ondes vertes. C'est quelqu'un qui a pris l'explosion de lucioles. Donc je me suis fait toucher aussi. J'ai le debuff qui apparaît sur ma barre de mana ici. Vous voyez la zone là qui s'est déplacée? Et boum, elle pète. C'est ça en fait qu'il faut éviter. Quand vous voyez les lucioles se déplacer à un endroit et faire un flash, il faut se barrer. Sinon vous êtes stun ou empoisonné et vous prenez des dégâts. Dans les fameux patterns du boss assez lisibles, là vous voyez en train de charger un coup, il va spin autour de lui. Et dans les premières secondes du combat, il va y avoir un counter à faire. Si vous êtes suffisamment alerte, il faut se mettre devant lui et counter quand il est tout bleu. La phase où il est tout bleu dure quand même pas mal de temps. Elle dure bien 2-3 secondes. Peut-être 2 secondes plutôt, j'ai fait le Marseillais. Donc si vous êtes devant lui, vous pouvez counter. Là, moi, j'avais pas de counter avec la démonique dans mes spells, donc je l'ai pas fait. Donc le but du jeu, c'est de le déglinguer. Et au bout d'un moment, il va être étourdi et il va avoir une cible sur lui. Et il faudra envoyer vos bombes de destruction sur la cible. Voilà, là maintenant. Vous voyez, il est étourdi et il y a une cible qui apparaît sur sa tête. Il me semble que la deuxième cible, elle sera sur son corps.
et la troisième cible, elle sera sur sa queue. Quand il y a la cible sur le boss, il faut jeter vos grenades de destruction et il faut lui briser l'armure. Et il faut faire ça plusieurs fois parce qu'à chaque fois qu'on va réussir à briser la partie, ça va retarder son enrage. Si jamais vous brisez pas toutes les parties, il va enrager et du coup, il va taper plus fort, plus vite. Et aussi, il y a certaines de ces mécaniques qui vont gagner de la range. C'est-à-dire qu'au lieu de taper dans un cercle basique autour de lui, entre guillemets, il va taper beaucoup plus loin, beaucoup plus large. Donc le but du jeu, c'est vraiment de réussir à briser les parties au fur et à mesure qu'elles pop pendant le combat, sinon il enrage. Si vous y arrivez, ça veut pas dire qu'il va pas enrager, ça veut juste dire que vous avez retardé la mécanique. Donc on le bourre. Là, je sais plus si dans la vidéo, on en voulait par exemple, là on n'a pas réussi à briser la partie. Après, c'était différent sur la Russe, on s'en foutait, on le désinguait tellement vite qu'on jetait même pas de grenades et on y allait en mode all-in. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais il y a eu deux explosions de lucioles là. On en parlait juste avant. Vous allez les voir visuellement. Il y en a une ici et une ici qui vont apparaître. Vous voyez là les deux? Et boum, ça pète. Donc le but du jeu, c'est d'éviter ça pendant le combat. Mais là, vous voyez, on a tellement de DPS qu'on l'a déjà rebreak. Donc c'est indécent sur la version russe. Et donc là, il y a une mécanique signature que vous n'allez probablement pas voir, mais que je vais vous expliquer juste après. Et ça, c'est ce que j'espère qu'on va réussir à faire là pendant le try d'aujourd'hui. Donc voilà, là, on l'a réussi à le passer. On l'a tué en moins de 1 minute 30. Pourquoi 1 minute 30 ? Oui, il fait très mal hein, quand il enrage. Donc, pourquoi il faut le tuer en moins d'une minute 30 ? Parce qu'à partir d'une minute 30... C'est le début des problèmes. À partir d'une minute 30, il va commencer à faire des mécaniques en synchronisation avec Argos. Donc, il y a un message qui va apparaître au milieu de l'écran, à peu près par ici. Là, il y aura un message qui va vous dire « Attention, Beorix, le méchant dinosaure, est en train de faire une mécanique. » Et donc, ce message, il va vous montrer 6 patterns possibles. Donc, soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. Soit celui-là, soit celui-là. Et il n'y a que les mecs qui sont contre le boss dinosaure. Donc il n'y a que les mecs qui sont en train d'affronter le dinosaure ici. Ils peuvent voir le pattern. Les mecs qui sont du groupe 2, qui sont en train de combattre Argos, ils sont en contrebas. Là, vous voyez ma souris, là où je la bouge. Ils sont en train de se battre contre Argos en contrebas. Donc ça veut dire, les gens du groupe 1 qui affrontent le dinosaure, en se mettant proche du bord ici. D'ailleurs, vous le voyez sur les photos. Vous voyez ce bord là, pour pouvoir voir les mécaniques. Mais en fait c'est ici, par rapport à la souris et à ce que je suis en train de vous montrer. Pour voir les mécaniques qui apparaissent, les patterns se dessiner sur le sol, c'est un mec qui doit se mettre au bord ici et qui doit regarder. Et qui doit dire, oh les frérots du groupe 2, attention, il fait telle mécanique. Comprenez bien que c'est quand il faut donc connaître les 6 patterns et qu'en pick-up, ça va être un carnage. Donc, vous pouvez l'écrire dans le chat, en disant attention orbe mécanique, attention safe spot mécanique. Enfin voilà, les mécaniques ont des noms, ont des termes. Attention out, attention in. Tu peux pas pinguer les zones en bas, c'est trop compliqué. Enfin, techniquement, je pense que tu peux, mais c'est trop compliqué. Vous entendez bien que le but du jeu, et c'est pour ça qu'il faut essayer d'avoir au moins le niveau 1385, parce que de toute façon, sinon, vous pouvez pas vraiment toucher les boss. Mais surtout, essayez d'avoir au moins 3 lignes minimum. C'est mettre le plus de chances de votre côté de skip cette mécanique. Donc si vous n'y arrivez pas, un message apparaîtra au milieu de l'écran. Et donc il y a un mec, un shot caller du groupe 1, qui va se placer, comme je vous l'ai expliqué ici, pour avoir une vision sur le fight en contrebas. Et donc il va observer un pattern. Premier pattern, il va y avoir une direction, comme ça avec une flèche. Ça va indiquer le safe spot. Donc... qu'est-ce que ça veut dire le safe spot ? Argos va avoir une espèce d'horloge sous ses pieds si j'ai bonne mémoire. Je vous dis ça de tête parce que sur la version russe, comme je vous disais, on skippait tout le temps la mécanique. On voyait quasiment jamais ses patterns. Donc là, je suis un peu en mode YOLO. J'espère que ça vous aidera le plus possible. Mais ne prenez pas pour argent comptant à 100% ce que je dis. J'en suis plutôt sûr à 80-90%. Donc, il y aura une horloge sous le boss. Cette horloge-là, quand elle va finir de se consommer... si vous n'êtes pas dans le safe spot, le groupe meurt. Donc le safe spot, il n'est pas toujours en haut à gauche. Attention, la flèche peut être en haut à droite, la flèche peut être en bas à droite, la flèche peut être en bas à gauche. Donc
c'est justement le shot caller qui va vous dire attention, allez en bas à gauche, attention, allez en bas à droite, etc. C'est pas toujours ici. Là, le screenshot est là, mais faites attention. D'accord ? Donc ça, c'est simple. C'est safe spot égale tel endroit. Deuxième mécanique. Et c'est la seule qui est pour le groupe 1 et non pas pour le groupe 2. C'est ce pattern. Si jamais vous observez ce pattern, il faut se mettre au centre du combat contre le dinosaure pour survivre. Sinon, vous mourrez. Troisième pattern. C'est cette espèce de... dessin de forme de safe spot qui apparaît en bas. En fait, c'est assez simple. Il va y avoir des orbes pendant le combat. En bas, les mecs qui fight Argos, il faut qu'ils en mangent deux chacun pour ne pas mourir. Faites attention, la deuxième va vous faire des dégâts. La première va rien vous faire, mais la deuxième va vous faire des dégâts. Et vous voyez, il y a un chronomètre sur le boss, sur Argos. Il faut avoir ingéré deux orbes chacun avant la fin du chronomètre. C'est vraiment facile comme mécanique. Ce pattern-là, c'est deux orbes chacun à manger. Le quatrième, il va y avoir des safe spots qui vont apparaître aux quatre coins de la map en bas pour les gens du groupe 2 qui combattent Argos. Vous voyez ces safe spots là qui apparaissent ? Ils changent de couleur. Ils apparaissent toujours à 11h, 1h, 5h et 7h. En gros, en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche. Ok ? Aux quatre coins de la map, comme si c'était les coins d'un carré. Il faut attendre qu'ils passent de Sun à Moon pour rentrer dedans et taper le boss. Encore une fois, j'ai rarement vu la mécanique parce que souvent on zerguait le boss en 1 minute 30 sur la version russe. Mais de mémoire, c'était ça. Fallait attendre qu'il passe en Moon et fallait marcher dedans. Mais donc il faut taper le boss parce que vous vous souvenez, dans la P1, pour ceux qui l'ont faite, il y a un moment donné où il faut arrêter de DPS et il y a une horloge sous le boss. Parce qu'il faut équilibrer le nombre de dégâts solaires et le nombre de dégâts lunaires. Le but du jeu là, c'est de prendre un buff un peu comme cette mécanique là. Quand le truc transite, quand le truc change de couleur, quand le safe spot change de couleur, rentrez dedans et vous tapez Argos. Ça skippera la mécanique. Les 5e et 6e mécaniques sont ultra simples. Ça veut dire qu'il faut se mettre out pour survivre. Ça veut dire qu'il faut se mettre in pour survivre. En gros, le feu là, c'est des dégâts qui one shot. Donc les mecs qui vont call cette mécanique, si jamais c'est ce gros cercle là, il faut call out. En gros, les gens vont aux extrémités de la map. Si jamais c'est le grand cercle qui surplombe la map, il faut call in. Il faut se mettre au centre de la pièce. Sinon, vous allez mourir. Si vous avez un deuxième écran, je vous conseille vivement d'avoir ça à côté. Si vous faites ça en guild, sur Discord ou avec des potes. C'est normal de wiper plusieurs fois pour mémoriser les patterns. Et surtout, je vous conseille vivement de mettre vos plus gros DPS dans le groupe 1. Si jamais ils callent la mécanique, mais que vous tuez le boss avant la fin de la mécanique, et ça annule la mécanique. La mécanique est trigger à la fin de ce chrono. Donc si le groupe 1 arrive à tuer le boss un tout petit peu après 1 minute 30, mais dans la limite du temps imparti par le chrono qui a sous Argos, la mécanique est annulée. Donc le but du jeu, c'est vraiment d'essayer de mettre vos plus gros DPS dans le groupe 1 et de zerguer le boss du groupe 1 pour s'éviter les problèmes. La phase 3, c'est très simple. Ça revient comme on était. On est tous ensemble. Donc P1, on est 8 contre Argos. P2, on est 4 contre le boss dinosaure, 4 contre Argos. Groupe 1 contre le dinosaure, groupe 2 contre Argos. Phase 3, on est re-téléporté contre Argos. Je vous montre ça. Il y a une petite cinématique que je vous conseille de skip parce que vos potes ils se font démonter pendant ce temps-là. Il faudra se placer au middle pour être téléporté. Et donc ça c'est la phase 3, on revient en combat contre Argos. Contre Argos, c'est les mêmes patterns que d'habitude. Je vais les détailler à la fin. Là je vous explique d'abord les différentes phases principales. Et après, on se fera une petite partie à la fin sur les patterns qui changent de la P2. Donc là, on le bourre. Et à force de le bourrer, hop, il va à un moment donné se mettre au middle, exactement comme pour la phase 2. Et là, on va rentrer en phase 4. Et donc, il va faire un cri lunaire cette fois. Et il va téléporter les gens du groupe 2 contre un boss. Pendant ce temps-là, le groupe 1 qui a déjà affronté son demi-boss va cette fois-ci rester contre Argos. Et là, le groupe 2 va combattre un mini-boss. Et là, il n'y a plus de shot call, il n'y a plus de trucs à observer. C'est plus simple. Mais pour autant, il y a quand même des trucs à savoir. Il est plus chiant, le deuxième boss. Je vous ai préparé une deuxième vidéo. J'étais en Bernois. Donc là, on est téléporté contre le deuxième boss. C'est la phase 4 du combat, au total. L'avant-dernière phase, du coup. Et le groupe 2 doit affronter ce boss.
Alors ce boss, il faut des grenades de déséquilibre, donc c'est les grenades tornades, et il faut si possible des dégâts de déséquilibre à foison. Donc si vous avez des blasters, berserker, warlord, tous ces trucs qui font des gros dégâts de déséquilibre, il faut les mettre si possible dans le groupe 2. Le deuxième boss, il faut éviter ses patterns, parce qu'il va faire des trucs assez chiants qui potentiellement peuvent vous emprisonner, vous faire beaucoup de dégâts. Et il faut des dégâts de déséquilibre pour le deuxième mini-boss qui va faire pop. Vous allez comprendre. Là, vous allez voir, il va faire une technique avec des faisceaux qui tournent autour de lui. Elle est très chiante. Et il y aura des marques au sol aussi. Vous voyez les faisceaux qui tournent là? Il y en a trois. Un là, un là, un là. Ces faisceaux-là, ils font des dégâts. Il y a un laser qui va partir en fait. Donc il faut toujours essayer de se trouver entre les faisceaux, mais jamais devant. Et vous voyez les trucs au sol là, les espèces de marques, c'est des pointeurs de laser. C'est-à-dire que là où il y a la marque, dans quelques secondes, il y a un laser qui va pop. Si vous vous faites toucher, vous vous faites emprisonner. Là, les gens se sont fait toucher par le laser faisceau, mais pas par les marques au sol. Il y a eu un taunt qui est parti. Ces attaques sont assez prévisibles aussi quand vous avez l'habitude de fight contre. Alors je me permets une petite pause parenthèse, un truc important, aux quatre coins de la map, il y a des piliers. Vous voyez ces piliers là en bleu, 1, 2, 3, 4, ces piliers là, si vous les détruisez, le groupe 1 a un debuff de vitesse de déplacement. Si vous les laissez en vie, c'est vous qui avez le debuff de vitesse de déplacement. Le but du jeu c'est d'en péter que 2. Pour que vos potes ils soient à moitié débuffés et vous, vous soyez à moitié débuffés. Si vous les pétez tous, vos potes ils vont se retrouver super slow. Ne pensez pas les trolls, parce que quand vous cassez un pilier dans le boss lune, ça fait apparaître un pilier dans le fight Argos. Donc le pilier que vous avez pété, vos potes ils peuvent le repéter. Donc ils peuvent vous renvoyer le debuff. Donc ça sert à rien de tout casser en pensant troller vos potes. Le ping-pong, il va juste vous faire perdre du temps. Cassez-en que 2, vous aurez comme ça que 2 debuffs et vous serez à niveau équitable. Si jamais vous voyez qu'il y a un mec qui a zoné, parce que ça peut arriver avec des blasters dans le groupe 2 par exemple, qui pose une tourelle et la tourelle elle tire sur le pilier parce que le pilier est plus proche que le boss, c'est un scénario probable, bah à ce moment-là, vous pouvez rééquilibrer dans le combat contre Argos en détruisant un des piliers pour que ce soit toujours uniquement 2 debuffs et non pas les 4. En gros, un pilier égale un debuff. Donc si vous cassez les 4, vos potes ont les 4 debuffs. Si vous en cassez que 2, vous en avez 2 chacun. Donc lui, quand il va arriver à peu près à la moitié de sa vie, vous voyez, il va disparaître dans le sol, comme il est en train de faire actuellement. Et il va invoquer un mini-boss. Donc c'est un mini-boss du mini-boss, ok? Ce mini-boss, il a des patterns super simples à lire. Il suffit de regarder et d'esquiver. Ce mini-boss, il prend très peu de dégâts. Il a une barre de déséquilibre. Et en fait, il prend énormément de dégâts quand sa barre de déséquilibre arrive à 0. C'est pour ça que normalement il faut des grenades de déséquilibre et des classes qui ont beaucoup de dégâts de déséquilibre, histoire de vider sa barre le plus vite possible. Parce que tant que sa barre est pas vidée, il prend vraiment pas cher. Donc là hop, il apparaît, c'est lui le fameux mini boss, et vous voyez, il a bien une barre violette de déséquilibre, contrairement à son patron, le gros boss élémentaire lunaire. Donc là, pendant le combat, faites attention, pendant que le mini-boss, il vous fait des dégâts, enfin le mini-mini-boss, il vous fait des dégâts, le mini-boss originel, l'élémentaire de lune, le vrai mini-boss, il va continuer d'apparaître en mode surprise et de vous faire des mécaniques. Donc là, par exemple, il fait un giga-portail ici, il faut pas rester dedans. Vous allez le voir apparaître régulièrement pour vous foutre la merde, en fait. Pendant ce temps-là, vous tapez lui. Vous voyez, le vrai mini-boss, il vient de réapparaître ici. Il a pas de barre de vie, hein. Ça sert à rien d'essayer de le taper. Il a pas de barre de vie, les gars. Faut vraiment focus lui. Il est juste là en mode fictif pour vous faire chier. Sauf que ses dégâts, ils sont pas fictifs. Donc faut pas rester dans les zones. Un des patterns du mini-mini-boss, on va l'appeler comme ça, c'est qu'il lève les mains en l'air et il fait tomber des dégâts sur le sol. C'est assez prévisible parce qu'on voit les zones. Donc vous voyez le truc turquoise, là? Ça va tomber ici. Et il y en a plein des zones turquoises qui vont apparaître. Bam, 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 il fout droit en fait. Donc quand il fait sa technique où il envoie ses points vers le ciel, il faut surveiller au sol pour pas rester dans les zones qui vont tomber plusieurs fois. Quand il monte en l'air comme ça, alors là on a 10 fois trop de dégâts, hein, donc c'est pour ça qu'on est en train de l'atomiser. Normalement ça va pas se passer comme ça. Quand il monte en l'air comme ça là, il charge une attaque
Et après, il vise un mec random et il tire un tout droit. Donc le but du jeu, c'est si possible de stop DPS, hein, de faire des dégâts en tout cas qui ont pas des grosses anim lock pour pouvoir esquiver cette attaque. Je vous la remontre. Là, c'est des dégâts normaux. Là, il va faire le truc où il tire les mains dans le ciel et il tire des projectiles. Vous voyez? Il tire plein de trucs dans le ciel et ça va retomber. Boum. Avec des zones turquoises. Ensuite, là, il fait le pattern. Il va bientôt le faire là, où il va monter en l'air. Voilà, maintenant. Quand il fait ce pattern là, où il monte en l'air et qu'il bouge plus, il y a à peu près 5-6 secondes. Et après, boum, il vise un mec et il tire une espèce de rafale qui va tout droit. Donc, il faut essayer de garder votre roulade. Mettre des dégâts qui n'ont pas des grosses animlock. Parce que si vous lancez des attaques qui mettent 25 minutes à partir, c'est sûr que vous allez vous faire toucher. Et donc dès qu'il fait son... Dès qu'il commence à réagir, à bouger le corps, il faut dash out pour essayer d'esquiver. Oui, je pense que lui là, il va prendre l'attaque. Voilà, ça va pas louper. Le mec il commence à caster des lasers alors qu'il sait que le boss va faire l'attaque. Et donc quand il meurt, ça fait réapparaître le mini-boss originel et il est stun pendant quelques secondes. Donc c'est le moment de tirer bombe de ténèbres si vous en avez. Donc ça réduit la défense de la cible de 20% et c'est le moment d'essayer de le bourrer au maximum. Si vous avez le DPS, il refera pas cette phase avec le mini-mini-boss. Dans la suite logique des choses, il le fait deux fois, le mini-mini-boss. Alors ça, c'est super important. Vous voyez cette attaque où il y a un faisceau qui pop avec des télégraphes au sol? Si vous vous faites toucher, vous êtes emprisonné. Donc, faut impérativement dodge. Donc là, en l'occurrence, on a pas eu assez de DPS. Donc vous voyez, il refait son pattern où il disparaît et il invoque le mini-mini-boss. Donc il revient une deuxième fois. C'est la suite logique des choses, hein. Vraiment réussir à le bourrer au point où il invoque pas une deuxième fois le mini-mini-boss, faut avoir du très très gros DPS. Donc là c'est le pattern où il tire des projectiles qui tombent du ciel après, c'est facile à identifier parce qu'il lève les bras et il tire plein de fois vers le ciel. Vous voyez l'autre boss il continue à pop et à casser les couilles en tirant des projectiles. Ça c'est une attaque où il recule plusieurs fois et il tire des projectiles, elle est un peu chiante, bon vous mettrez un peu de temps à comprendre. C'est encore le mini boss original qui tape là, faut esquiver. Il repop encore une fois avec un faisceau. Les projectiles qui tombent du ciel, on évite. Là, il va pas tarder à mourir. Et du coup, le mini boss original va repop. Là, on la break en même temps qu'on l'a tué. Et donc là, on va le finir. Quand ça, c'est terminé, on arrive dans la phase 5 du combat global. On va tous être re-téléportés contre Argos et il faudra tuer Argos. Oui, j'ai mis un petit 10 millions avec un paladin. C'est normal. C'est le Bernois. Donc là, on va middle et on va se faire téléporter. Donc la phase 5 du combat, très simple. On est 8 contre Argos. Et le but, c'est de le déglinguer. Avant qu'on passe à la phase 5, il y a une mécanique importante qu'il faut que vous voyez contre le boss lune. En quoi vous allez vraiment en chier. Voilà, c'est ça. Ce pattern-là, c'est le tueur de groupe. Il y a un moment donné, vous allez avoir des cibles qui vont apparaître au sol, comme ça. Vous voyez cette cible-là? Il y en a 4 qui vont pop au sol. C'est ultra important que vous compreniez ça. Il faut que chacun prenne une cible. C'est-à-dire que là où le pilier qui vous tombe dessus, là, vous voyez le truc qui tombe du ciel, le pilier de roc là, il faut qu'il tombe sur la cible. Si jamais il tombe pas sur la cible, ça explose. Il tombe sur la cible, ça désamorce. En fait, c'est une mine. C'est 4 mines qui vont apparaître au sol. Pour désamorcer la mine, vous avez besoin de faire tomber le pilier de roc du ciel dessus. Si jamais il y a un mec qui ne fait pas exploser, enfin qui ne désamorce pas sa mine, il y a un énorme télégraphe autour de la mine qui pète et qui fait beaucoup de dégâts. Là, l'organisation, elle est relativement simple. Vous essayez de vous répartir intelligemment. Si vous allez tous les deux dans la même direction, bah, un des deux change de direction et l'autre comprend. Il n'y a pas forcément besoin d'attribuer des positions. C'est assez identifiable.
facile à voir. Dans le doute, n'hésitez pas à vous shielder et à être full vie, à pré-pot, parce que ça one-shot pas s'il n'y en a qu'une seule qui vous touche. Donc la mine, super important, vous désamorcez votre mine et vous allez à une extrémité pour pas prendre le risque qu'un mec de votre groupe vous troll. Parce que c'est possible qu'il se loupe et que vous vous fassiez toucher derrière. Ça c'est uniquement sur le boss lune et c'est le truc le plus important pour éviter de wiper. Il y a une autre mécanique que vous avez pas vu dans le combat dans ma vidéo. Ça, c'est une de ses pires attaques. Donc, il va poser deux espèces de pylônes. Vous voyez ces pylônes là, ici? Ces pylônes, ils vont tirer des vagues d'énergie qui vont vous emprisonner ou vous faire beaucoup de dégâts, ou les deux. Le doute m'habite, donc je préfère pas vous dire de bêtises. Dans tous les cas, ce machin là, il faut fuir le plus loin possible de ce truc là. Ne restez pas à côté. Cette attaque-là, je ne voulais pas montrer, mais pareil, le boss, il s'enfonce dans le sol et il fait un tout droit en mode griffe qui racle. Faut pas rester devant lui. Bon, ça, c'est plein de petits patterns que vous allez découvrir pendant le combat. De toute façon, vous aurez accès à ce site pour voir toutes les attaques en mode gif. Donc, qu'est-ce qui change par rapport à la P1 d'Argos? Je vous montre ça tout de suite. Alors, il fait maintenant ses 3 charges comme avant. Vous voyez celle-ci, là. Il peut le faire 3 fois. Il va moins souvent faire la shockwave, il va plus souvent faire le taureau. C'est assez chiant. Ça, c'est pour la P1, la P3 et la P5. Ça, c'est pour les phases où vous êtes à 8 contre Argos. Cette attaque-là, avec une zone qui apparaît au sol et ensuite Argos qui charge, il va la faire en général 2-3 fois de suite. Donc méfiez-vous, ça fait très mal. Ne vous faites pas toucher ou alors shieldez-vous. Il faut impérativement éviter cette attaque. Vous vous souvenez quand Argos il disparaît et il retombe au sol? Bah maintenant il y a une petite mécanique en plus. Chaque fois qu'il disparaît et qu'il retombe au sol, il faudra se coller au boss parce qu'il y a une onde de choc qui arrive. Tous les mecs qui vont aller loin pour esquiver l'attaque, ils vont se faire toucher par l'onde de choc. En fait c'est un out-in. C'est-à-dire que dès qu'il tombe, il faut in vers le boss. Donc out quand il est en train de tomber et in dès qu'il est tombé. Autre mécanique nouvelle pour le coup. Des espèces de lasers. Il va dessiner des formes au sol et quelques secondes après, il y a des lasers qui vont apparaître sur les zones qu'il a dessinées. Vous les voyez, les zones qui sont dessinées au sol, bah juste après, il y a des lasers qui pop. Ça dessine et après, laser. En général, il y a 3 dessins et 3 lasers. Dans les dernières mécaniques chiantes, vous vous souvenez des deux traits qui dessinaient autrefois et il fallait se mettre soit devant, soit derrière, mais pas sur les côtés, pas sur les flancs. Bah maintenant, il peut faire des croix. Donc il faut se mettre entre les zones des croix. Assez simple, assez visuel. Pas de surprise. Si vous voyez des trucs au sol comme ça, faut pas rester dessus. Et le dernier pattern qui est chiant à comprendre et qui fait mal, le boss, il va faire partir des vagues d'énergie aux quatre coins de lui, donc devant lui, derrière lui, à sa gauche, à sa droite. Et en fait, ça va tourner une fois et ça va revenir. Donc quand il fait ça, si vous vous êtes fait toucher par le premier rayon, ne bougez pas parce que vous allez vous faire toucher par le prochain si vous bougez. Si vous bougez pas, vous allez vous faire toucher qu'une seule fois et c'est pas grave. Souvent, le défaut des nouveaux joueurs sur ce boss-là, c'est qu'ils se font toucher une fois, ils paniquent et du coup ils bougent et ils vont se faire toucher par le retour. Parce qu'ils se disent merde, j'ai été touché, faut que je me décale. Ce qui est un réflexe normal. Donc la bonne façon c'est de comprendre quand il fait ce pattern là. C'est difficile à voir parce que en fait il fait une espèce de petit saut sur place et il tape avec ses sabots. Je sais pas si vous avez le temps de le voir. Il va le faire là juste après maintenant, regardez. Il saute et boum, avec ses sabots et il fait une onde de choc. Et donc ça part de ses flancs et de devant derrière. Et ça fait un petit tour sur la droite. Donc le but du jeu, c'est de se placer par là, à peu près, quand il fait ça, pour ne pas être touché. Ou alors, de vous mettre tout le temps sur ces... Imaginez que le boss, il est coupé en croix, en X, d'accord? Vous vous mettez tout le temps dans les diagonales du boss, et quand il fait ce pattern, bah vous vous décalez juste après que l'onde de choc soit partie, sur un des flancs, ou sur devant, ou sur derrière. Ça fait pas énormément de dégâts, mais si vous prenez l'aller et le retour, ça peut commencer à picoter. Je vais pas vous mentir, ce boss là, c'est l'accumulation de plein de dégâts qui grattent en fait. Avant qu'on se quitte, qu'on finisse, n'oubliez pas pour cette phase,
vivement recommandé d'avoir des potions violettes parce que les potions violettes sont au nombre de 7 au lieu de 5. Le groupe 1 doit impérativement avoir des grenades de destruction. Le groupe 2 doit impérativement avoir des grenades de déséquilibre, donc des grenades tornades. Si possible, essayez d'avoir quelqu'un qui va avoir des grenades de ténèbres pour nerfer l'armure des boss de 20% et d'essayer de maximiser les dégâts. C'est d'autant plus intéressant sur le groupe sur le boss du parti 1, du groupe 1, parce que si vous le tuez avant 1 minute 30, vous pouvez skip la mécanique assez chiante. Le reste, c'est vous l'avez pas vu, mais bon. En gros, vous avez une cible sur vous, et pendant quelques secondes, il y a des piliers qui tombent et qui vous suivent. Donc, faut juste courir. Je vous laisse aussi un peu découvrir par vous-même. Voilà, il n'y a pas de truc sorcier. C'est de la pratique, du wipe, puis bah, bonne chance.